Voilà les lieux de la troisième épreuve pour Ethan Mars. Fort Boyard continue! Il y a eu un incendie ici, tout est calciné. Je suis encore faible. Je tiens à peine debout. La douleur revient. Les médicaments commencent à ne plus faire effet. 9711 Marble Street. C'est bien la bonne adresse. Qu'est-ce que je suis censé faire dans cet immeuble à moitié détruit? Sean, où est-ce que tu es, mon fils? Il y a des lézards. Des lézards en porcelaine? On dirait qu'ils sont récents. Bon. En fait, le truc, c'est qu'il y a plein de lézards. Voilà, la porte nous indique un lézard aussi. C'est fermé. C'est un lézard vert. Est-ce qu'il n'y a pas un lézard vert qui traîne? Si, là. Il était bien planqué. Je vous cache pas que généralement, enfin, je sais pas, ça dépend comment vous jouez, mais moi personnellement, en fait, comme j'ai tendance généralement à fouiller un petit peu tout ce que je peux, et je pense que beaucoup de joueurs sont comme ça aussi, mais bon, on sait jamais. Généralement, vous trouverez la clé avant même de savoir qu'il y a une porte à ouvrir. Parce que bah, je m'étais amusé à fouiller tous les lézards sur le chemin au cas où. Pour pas louper quoi que ce soit. Donc je savais même pas qu'il y avait une porte à la base. Je pensais que ça allait directement déclencher quelque chose. Donc il y a une tablette au milieu. Allons-y, hein. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Le truc horrible, quoi. Cette épreuve, elle est ignoble. Elle est vraiment ignoble. Il faut que je trouve un objet coupant. Quelque chose qui tranche net. Je ne veux pas avoir à m'y reprendre à plusieurs fois. Je peux pas accepter de me trancher un doigt. Je veux sauver Sean. Je ferai tout. Tout, mais pas ça. Donc là, l'idée, ça va être de rassembler tous les objets de la pièce qui peuvent potentiellement servir à couper un doigt. C'est absurde. Je ne peux pas accepter cette épreuve. Je veux sauver Sean, mais je refuse de faire ça. Un petit morceau de bois. Il faut que je m'y prenne bien. J'ai peut-être une chance de m'en tirer si je fais les bons choix. Il vous reste 4 minutes et 30 secondes. Si je m'y prends mal, je risque d'y rester. Je ferais mieux de partir. Je sauverai pas mon fils en mourant ici. Un couteau de boucher. 5 minutes. J'ai 5 minutes pour me trancher un doigt. Il faut que je décide vite. Me trancher un doigt. Ça va être atroce. Je n'y arriverai jamais.
L'alcool. C'est ça, c'est l'alcool. Je dois le faire. Je n'ai pas d'autre choix. Pour Sean. Bon, on a fait le tour des pensées. Ah, il y a un truc qui est... Ah, il y a une hache. Des ciseaux. Ok. Va falloir être très calme. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je fais un dernier tour de la pièce rapide. Et après, il va falloir commencer à penser à se couper le doigt. Parce qu'il y a toute une préparation psychologique à faire avant, évidemment. Ah. C'est pour me laver les mains peut-être. Non, pour me passer un peu d'eau sur le visage. Ouais, ça peut être pas mal pour la gestion du stress. Ah, il reste un objet par terre que je n'ai pas trouvé, que je n'avais pas pris. C'est quoi? Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut se servir de ça pour... Comment on dit je crois qu'on dit cautériser la plaie, c'est ça? J'ai un doute sur le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Après j'ai de l'alcool, hein, donc est-ce que c'est vraiment une nécessité? En tout cas, j'ai le choix. Il va falloir se décider maintenant. Il me reste 3 minutes. Ok. Je vais le faire. Pour Sean, je vais le faire. Je ferai n'importe quoi pour sauver mon fils. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il faut que je reste lucide. Si je réfléchis bien à ce que je dois faire, tout va bien se passer, je vais m'en tirer. Je vais faire vite. Je ne sentirai rien. Non, je ne sentirai rien. Tu ne sentiras rien, j'en doute. Je pense que le couteau de boucher est le meilleur choix pour que ce soit vraiment net et précis. Il faut faire un entraînement de respiration. Tu respires lentement. T'inspires, tu expires. Tu calmes ton battement de cœur. A noter qu'encore une fois, on n'est pas obligé, hein, on peut décider de ne pas se couper le doigt et partir. Donc là, c'est juste pour faire un essai. Vas-y, tu coupes. Tu coupes. On n'a plus beaucoup de temps. On va essayer, c'est pas grave. J'ai dû être trop lent, je pense. Oh!
Niveau souffrance, je pense qu'on a atteint un niveau assez élevé. Hein. Sous le bureau. Ugh.